Au cours de cette conférence, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même tous, on est quand même tous au début d'une analyse assez poussée. Certains vont même jusqu'à parler de lifetime value pour prendre des décisions en matière d'acquisition. Et c'est particulièrement ce point qui a retenu mon attention sur peut-être qu'on va pouvoir travailler plus cet aspect-là. C'est un point intéressant parce que Boursorama faisait aussi écho sur le fait que vous avez parlé de lean management. Eux, ils ont parlé effectivement de lifetime value, de valeur potentiellement du client. Vous sentez que c'est peut-être un sujet demain que vous devez aborder quand vous parlez attribution, contribution, la lifetime value, la valeur de vos clients chez Air France. Vous aimeriez bien pouvoir incorporer cette mesure-là également? Oui, en fait, je pense que les différents annonceurs d'abord partent de leur cœur de métier. Le cœur de métier d'Air France, c'est ce qu'on appelle le revenue management. C'est pareil pour l'hôtelier, d'ailleurs, B&B était aussi sur ce secteur-là. Et petit à petit, on s'ouvre à d'autres industries et la lifetime value, qui est peut-être une problématique plus bancaire, parce que quand vous êtes client chez une banque, vous changez, enfin, le coût de changement est quand même assez élevé, alors qu'un billet d'avion, vous prenez une compagnie. Pour une deuxième compagnie. Donc, ce que je pense là-dedans, c'est que ce que ça montre aussi, c'est que les annonceurs au début partent de leur industrie et complexifient leur modèle d'attribution sur l'industrie, puis après vont piquer à droite à gauche d'autres idées et la lifetime value en fera partie. Sans doute dans les prochaines conférences qu'on pourra peut-être aborder, voir si finalement vous avez pu aborder ce sujet et mener des expérimentations autour de ce sujet-là. Sans doute un autre point Sans de doute. partage. Il faudra, à mon Voilà. avis, quelques mois, parce qu'on part sur des. Si on veut faire quelque chose de bien, il y a une analyse de données qui risque de prendre pas mal de temps, mais je pense que c'est une bonne voie d'exploration pour les quelques mois à venir.